Vous êtes avec qui? Who are you here avec with? Ma tante. Hein? Avec ma tante. Elle est où? Where elle est au premier banc. Hein? Devant au premier banc. Venez, venez, allons chez elle. Suivez-moi. Come, come, follow me. Venez me montrer votre tante. Come and show me your auntie. Votre tante est où? Where is your auntie? Venez. Où est sa tante? Where is his auntie? Sa tante est où? C'est qui pour vous? Who is he to you? Mon fils. Mais vous ne l'avez pas reconnu tout à l'heure. Didn't you non, papa, je ne regardais pas. Vous ne regardiez pas ici. You were not looking non, here. Je ne savais pas que il était. Le jeune homme, si c'est un grand. He's a great man. Mais dont l'étoile a été volée. Whose stars were stolen. Vous êtes quelqu'un de très grand. C'est ça que je vous ai demandé de venir. Amen. Vous êtes Amen, très papa. Grand, mais votre étoile a été volée. J'ai vu quelqu'un qui a fréquenté et quelqu'un qui a eu des cassures dans sa carrière. Amen, papa. Amen. Dans sa carrière, il y a eu un malheur dans la carrière. C'est-à-dire une possibilité de bénédiction, d'élévation explosive, mais qui a été cassée. Amen, papa. Amen. Est-ce que vous suivez? Cassée. Et après, une époque, je l'ai vu à la maison. Amen. C'est vrai, papa. Chômage, 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 pendant des années, revendiquant, recherchant la justice. C'est vrai, papa. Mais personne ne vous a écouté. C'est vrai, papa. Ah, je vais dire quoi? Je vais lui parler un peu clairement. Je vous ai vu travailler hein? Quelque part où vous étiez bien et où vous devriez avoir une promotion, quelque chose de fort, de puissant. Mais il y a eu un problème. Vous avez eu un problème, et puis il y a eu un scandale. Et puis, pam, on vous a mis de côté. C'est vrai, papa. Hmm? C'est vrai, papa. Oui. On vous a mis de côté. C'est vrai, papa. Et quand on vous a mis de côté, vos droits n'ont pas été respecté. Vous avez revendiqué, revendiqué. You've been claiming, claiming, hein? Claiming. C'est vrai, papa. J'avais revendiqué. You claim. Et ça n'a pas, ça pas abouti. It didn't work. Je peux vous donner un conseil? Oui, papa. Ok. Fine. Vous n'avez pas d'amis. You have no friend. C'est vrai. Il n'y a pas d'amis. You have no friend. L'histoire que je suis en train de raconter ici, c'est un ami à vous qui vous a mis dans les problèmes, en fait. Un collègue à vous qui était un ami qui vous a mis dans les problèmes dans votre ancien lieu de service. C'est un ami à vous qui vous a mis dans les problèmes. Monsieur, c'est un jeune homme hypocrite qu'on appelait Bertrand qui était très souriant avec vous, qui montrait qu'il vous aimait, un homme trop gentil, mais qui, par derrière, avait juré que vous, vous ne seriez rien, personne. Et c'est lui qui a tout tissé contre vous. Vous avez des problèmes, on vous a. Et il y a un esprit de rejet sur vous qu'on doit chasser. Quand vous travaillez, quand la récompense vient, vous perdez. Toujours comme ça. Normalement, à l'heure où vous êtes là, vous serez très loin. Vous serez très très loin. Mais il y a, j'ai vu cet homme, il est endetté. Non, ce n'est pas qu'il est endetté, ça veut dire qu'il a ses biens dehors. Il y a l'argent dehors. Il travaille, on retient l'argent. Vous êtes marié? Pas encore. Pas encore. Je vis en couple. Hein? Vous? You? Je vis en couple. Vous vivez en couple avec une fille. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. Vous les épousez? Oui, papa. Quand? When? Je vais l'épouser. J'ai dit, je vais l'épouser. Quand? When? Parce que vous avez déjà fait combien d'années? Actuellement, je n'ai rien. Je sais. I know. I know. Je sais. Regardez. Luke. J'ai vu une femme qu'on appelait Adèle. You saw a girl called Adèle. Hein? A woman called J'ai vu une jeune femme. A young woman qu'on appelait Adèle. That was called Adèle. Ça fait longtemps. Long ago. Et ce que j'ai vu avec cette what femme I saw with that woman n'était pas bien. Was not good. Monsieur. You're hearing me. Oui, papa. Hmm?
Il y a de cela quelques années. Some years back, je vous ai vu avec une jeune fille. I saw you with a young girl qu'on appelait Adèle. That was named Adèle. Mais quelque chose s'est passé avec elle. Something happened with her. La séparation d'avec elle. The separation from her n'était pas bonne. Was not good. Elle n'était pas juste. It was not right. Devant le Père des esprits, des prophètes, before the Father, le Dieu des cieux, the God of heavens, le Créateur des choses visibles et invisibles. Invisible things. Et la jeune femme, si young woman, vous l'avez opprimée, vous l'avez oppressée, you hurt her, vous ne l'avez pas traitée avec justice, selon la droiture de votre cœur. Right. Et elle a été brisée. And she was broken, et sa vie toute entière est allée en vrille. Et après qu'elle se soit séparée de vous, elle ne s'en est plus jamais remise à cause de la façon dont vous êtes séparée. Et le Seigneur m'a dit que le sang d'Adèle crie contre vous. C'est aussi pour ça que vous avez remarqué que partout où vous êtes allé, les portes se refermaient devant vous. C'est une iniquité qui doit être expiée. Absolument. Absolutely. Vous me suivez? You hear me. C'est ça votre problème. That's your main problem. C'est ça votre problème. Je le dis devant l'Éternel qui m'a appelé. C'est ça votre problème. Si on prie pour vous aujourd'hui, vous allez voir ce qui va se passer dans 6 mois. Amen, papa. Comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Vous allez voir. Votre famille, la mort a frappé à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dieu vous a maintenu comme ça. Dieu vous a maintenu comme ça. Amen. Hein? Amen. Amen, papa. Ce n'est pas pour rien. Mais votre erreur, c'est ce qui s'est passé avec Adèle. Parce que le diable s'est appuyé sur ça pour vous bloquer. Regardez, je veux prier avec vous aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu es bon. Que ton nom soit glorifié. Amen. Donnez-moi l'huile, donnez l'huile. Bring me oil. Apporte-moi l'huile. On va briser cette malédiction. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. C'est l'Éternel qui nous a sauvés. Au nom de Jésus, la malédiction est brisée. Fait que le mal qu'il a fait à Adèle soit ôté. Vous-même parlez à Dieu, demandez-lui pardon. Demandez-lui pardon. Demandez-lui pardon. Seigneur, nom souverain de Jésus. Les races Naouda, Lifelos, Men, Edoka. Au nom souverain de Jésus. Qu'il soit pardonné. Que son iniquité soit expiée. Satan, que ta main soit retirée de sa vie. Et sa carrière est bénie. Sa vie sentimentale bénie. Ses projets bénis. Au nom souverain de Jésus. Votre iniquité a été expiée. Dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Maman, you are blessed. Soyez en santé et vivez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'Éternel qui les a sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est l'Éternel qui les a sauvés.